Monsieur Le Floch, tout me porte à compter sur votre fidélité. Savez-vous que Sa Majesté s'est inquiétée récemment de vous à plusieurs reprises ? Les devoirs de son service me laissent peu de temps pour les civilités. On vous dit franc et direct, eh bien oui. Il n'empêche, vous êtes trop discret. Songez que pour le roi, vous êtes le marquis de Ranreuil, et qu'il ne tient donc pas... Le marquis de Ranreuil, mon parrain, avant que je sache qu'il était mon père, m'avait enseigné que la valeur de l'homme ne tient pas à sa naissance, mais à ce qu'il fait de sa vie. Cela vaut aussi pour les femmes. Avant d'être Pompadour, je suis née poisson. Ce propos pour vous signifier qu'on est assuré ici et ailleurs de votre loyauté. Prenez place, monsieur. Monsieur de Sartine vous a chargé d'une enquête sur la mort inexplicable du vicomte de Ruissec. Je vous vois bien informé. Je le suis, en effet. Rien ne m'échappe des intrigues de cour. Tout comme vous, j'ai à cœur de protéger le roi, s'il le faut contre lui-même. Le dessein est bien périlleux. J'ai personnellement prié Monsieur de Saint-Florentin et le lieutenant général de police d'épargner à Sa Majesté le détail de ses morts. Vous ne dites rien, monsieur. Nous en sommes à l'exorde. Permettez-moi d'attendre la chute. Cette famille de Ruissec, que le roi n'estime pas, j'ai quelques raisons de la craindre. Elle complote avec les dévots, avec les jésuites et avec tous ceux qui veulent me voir partir. À la putain du roi, Dieu a permis aux Philistins de nous vaincre par terre et par mer pour punir et humilier la France de tes péchés et de tes désordres. On me tient pour responsable de tout. L'ennemi est partout. Ce papier, je l'ai trouvé à la porte de mes appartements. Donnez, madame, je trouverai vite l'officine. Vous trouverez, mais c'est une hydre qui repousse sans cesse. J'appréhende de graves périls. Au vrai, je crains pour la vie du roi. Enquêtez, monsieur Le Floch. Enquêtez avec zèle et acharnement. Nous vous en serons reconnaissants. Le sort de votre souverain en dépend. Ainsi parlerait-on à présent de mener contre la vie du souverain ? La favorite paraît le redouter. Et votre sentiment ? Il incline à la circonspection. Et votre visite à l'hôtel de Ruissec ? J'ai été conduit avant même d'en franchir le seuil. Une chapelle ardente a été dressée dans le hall. Les corps seront portés en terre après-demain. Ce serait donc le moment ? La chambre du vicomte recèle quelques mystères. Il est essentiel que je revoie certaines choses et que je la fouille de nouveau. Il semble que le temps presse. Nous y retournerons donc cette nuit par des voies détournées. Vous cherchez toujours le vidame Gilles de Ruissec ? Plus que jamais. C'est la pièce qui manque encore au tableau. J'ai consulté la rumeur. Elle veut qu'il fréquente assidûment chez la Paulée. Sais-tu que tu es charmante ? Baise-moi, je t'en prie. J'y consens de bon cœur. Tu m'as fait bander comme un chien quand je servais à table. Je n'y pouvais plus tenir. Il faut sur l'heure que je le mette. Je veux bien, mais si ton maître nous surprend... Mais qu'importe, mordu, je te foutrai sur une borne tant j'en ai envie. Mais toi, le bougre, un peu plus de passion. Ne sens-tu pas que tu es au bord de la crise ? Je sais que ce n'est qu'une répétition, mais on doit te sentir arder. Et toi, gueuse, un peu plus d'abandon et de provocation. Nous avons affaire à des amateurs ce soir. Bien, la maison vous octroie quelques instants de vertu, tandis que je m'entretiens avec Monsieur Nicolas. Et puis ils nous reprendront. Au revoir, Monsieur Nicolas. Je vois que vous n'avez pas abandonné la dramatique. Quel souffle, quelle passion, quelle délicatesse. Il faut bien vivre. J'attends quelques traitants qui doivent se divertir et ranimer leurs ardeurs défaillantes par la vue de mes jeunes acteurs. Ensuite, mes filles épancheront. Comment vont les affaires ? Oh, je ne me plains pas. Je suis toujours très bien achalandée. Le plaisir ici est varié et de qualité, et sans mauvaise surprise. Vous ne fréquentez pas chez moi, mais j'ai appris que vous fréquentiez ailleurs. Beau morceau, cette bichelière ? Petite roulure pavilaine avec de jolis yeux, qui fait sa plotte aux Italiens. J'ai failli la compter parmi nous, mais elle préférait faire ses caravanes ailleurs. Vous qui n'ignorez rien de la galanterie dans le royaume, sait-on au moins d'où la demoiselle provient ? Non. Enfin, seulement qu'elle sait danser, chanter, jouer la comédie, monter à cheval comme un garçon. Elle aurait roulé sa bosse dès toute petite avec une troupe de bohémiens.
On sait aussi qu'elle a sucé à blanc le jeune vicomte Lionel de Ruissec. Vous l'aviez aussi dans votre pratique? Non. La Bichelière y suffisait bien. En revanche, j'ai le cadet, le vidame Gilles de Ruissec. Un falot, joueur malchanceux, un porte-poisse que tout le monde évite. Retors, vicieux, un libertin cynique. Et toujours flanqué de son âme damnée, un triste sire, pourtant bien en cours. Un certain Truche de la Chaux. Petite noblesse, hein, rien de bien fameux. Mais toujours cul et chemise, les deux, à concocter quelques mauvais coups. Tenez. Je croyais vous avoir interdit de continuer à associer galanterie et tripot de jeu dans votre maison. Mais regardez avant de monter sur vos grands chevaux. Présumez-vous d'où ce bijou provient? D'où tenez-vous cela? L'autre jour, le petit abbé de Ruissec s'est retrouvé plumé. Il m'a laissé en gage cette bague qui lui venait de Truche de la Chaux. À charge pour moi de la négocier sous quinzaine et de payer le créancier. Mais vous voyez comme je suis ouverte avec vous. Au lieu de me rembourser, je vous la remets. Quelques ouvrages de littérature galante ou légère, certes, mais surtout de fort sérieux écrits de scolastiques d'inspiration jésuitique. Curieux pour un jeune soldat. À quelque chose, malheur est bon. Voici au moins percé à jour le mystère du valet aux pieds nus. Du charbon de bois. Voilà où se tenait ce satané Lambert, le valet du jeune comte de Ruissec. Il nous faut le retrouver en hâte. Lambert a beaucoup à nous confier. Ce sera chose faite aux aurores. Acceptons-en l'augure, mais je crains que le bougre sera dur à ferrer. Vous voyez cette couverture? Elle a été recollée à la hâte et de manière malhabile. Gageons qu'elle aussi nous réserve quelques surprises. À la putain du roi, Dieu a permis aux Philistins de nous vaincre par terre et par mer pour punir et humilier la France de tes péchés et de tes désordres, le brouillon du libelle. Il semble qu'un parcours y soit indiqué. Mais lequel?
Regardez les extraits soulignés à la mine du plomb. Tout était recopié ici à l'identique, sans doute de la main du vicomte. Ce sont de véritables appels au régicide. On en voudrait la personne du roi. Le cas est gravissime. Favorite avait raison, c'est un complot où cela y ressemble fort. Il faut en aviser Monsieur de Sartine sur le champ. Inutile ce soir. Monsieur de Sartine est à Versailles. Vous portez par-devers vous des preuves décisives, monsieur. La nuit, les routes ne sont pas très sûres. Et une escorte n'est guère indiquée si vous cherchez la discrétion. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Peut-être serait-il bon d'attendre le matin. Je redoutais un ennemi ou quelque oiseau de nuit accroché à notre fanal. Au lieu de quoi ? La dame aux lunettes bleues que vous recherchez habite une ancienne abbaye sur la route de Versailles. Vous pouvez pas vous y tromper, c'est à l'entrée d'un vaste parc à l'abandon. Cette dame a un nom ? Il semble bien que oui. Selon le voisinage, elle se nommerait Mamselle de la Sauveté. Bien que nul ne la connaisse au juste. Prenez garde, monsieur. Tout comme le chevalier Déon, votre demoiselle pisse droit contre les murs. Souvent, mes fonctions m'emmènent de l'autre côté de la loi. Je préfère donc que vous soyez mon obligé plutôt que mon débiteur. Pouvez-vous m'annoncer Mademoiselle de la Sauveté ? Faut voir. Vous êtes qui, vous ? Monsieur le marquis de Ranreuil, monsieur. Que me vaut, monsieur ? Je vous imaginais, mademoiselle... d'autres atours. Ce sont ceux qui saillent, un deuil récent. Au fait, monsieur. Je souhaiterais, mademoiselle, vous entretenir en particulier. Inutile. Ces gens sont d'un peuple qui n'entend guère grand-chose aux subtilités de notre langue. De quoi souhaitez-vous m'entretenir ? Votre projet d'union avec le vicomte de Ruissec. Vous insultez ma douleur, monsieur. Sachez que le vicomte est mort. Madame, sa mère aussi. Bien que je la respecte, votre douleur semble cependant fort convenue. J'attendais que vous fussiez plus éploré devant la mort d'un être qui vous était si cher. Nous ne nous connaissions guère. Le mariage avait été entendu entre nos parents. Que souhaitez-vous savoir au sujet du vicomte ? Où vous aviez connu l'objet de votre passion ? Comment il se faisait qu'une telle union fût pressentie ? Je suis policier, mademoiselle, vous ne l'ignorez pas. Je n'ignore pas. Et vous me faites perdre mon temps. Voyez ma tenue, monsieur. J'allais justement à l'église des Théatins pour rendre au vicomte et à sa malheureuse mère mes derniers respects. Peut-être souhaitiez-vous m'y accompagner ? Je pourrais vouloir m'assurer de votre corps. Vous pourriez le tenter, en effet, si ce n'était déjà chose faite. Mais vos prétentions, pour cette fois, ne seraient pas à la hauteur de vos moyens. Voyez autour, monsieur. Vous êtes seul, et mes gens sont nombreux. À moins que vous n'entendiez réitérer en public... ce qui ne s'exerce d'ordinaire qu'en privé. Reconduisez, monsieur. Vous parliez de preuves ? Vous
Deux des écrits sont transparents et le troisième est un croquis dont je ne puis saisir le sens. C'est un plan. Et pas n'importe lequel, c'est le plan du château de Versailles. Regardez, Sartine. Regardez la cour des princes, l'allée des ministres. Ce rectangle-là, c'est la galerie des glaces, puis l'escalier des ambassadeurs. Ce carré-ci, c'est le bureau où nous sommes. Et cet itinéraire, c'est celui du roi lorsqu'il se rend à ses appartements. Ces plans dénotent l'intention de pénétrer la géographie du palais. Certaines annotations chiffrées que vous voyez là dissimulent des indications secrètes dont nous n'avons pas la clé. Le danger est certain. D'où tenez-vous cela, monsieur ? De la bibliothèque de feu le vicomte Lionel de Ruissec, monsieur. J'entends modifier le cours de cette affaire. Elle demeure secrète, mais je la veux démêler au plus vite. Tenez, monsieur le commissaire, voici deux lettres de cachet. Deux armes chargées à blanc que vous avez autorité à remplir pour les rendre plus efficientes. Monsieur Le Floch, il ne vous sera demandé aucun compte en ce qui concerne les moyens que vous jugerez bon utiliser pour parvenir à vos fins. Tiens donc, le belâtre. Lâchez-moi, monsieur. Je ne sache pas que nous nous connaissions. Nous ne nous connaissons pas, pourtant nous nous sommes percutés à Choisy. Vous sembliez sortir en hâte de quelques cagibis. Vous jouez mal la comédie. Qui êtes-vous donc, monsieur ? Un triste sire qui a pour nom de la Chaux. Truche de la Chaux. L'animal n'est guère recommandable. Une sorte de gagne-petit qui suborne les dames de compagnie, les soubrettes, les chambrières et parfois même les laquais. On le dit fourbe, côteleux et rapineur à souhait. Truche de la Chaux, son nom est récemment survenu dans une affaire dont j'ai à connaître le... Je ne vous demande rien de plus, Nicolas. Et surtout pas de me renseigner. Je tiens seulement à vous prévenir. Truche de la Chaux passe pour une mouche de la favorite. Et il semblerait qu'il bénéficie aussi de la bienveillance de la famille de Ruissec. Il tiendrait des deux ? Comment cela est possible ? N'y voyez autre chose que l'appât du gain. Mais laissons cela pour l'instant. Je vous cherchais car je suis chargé d'une mission officielle d'une extrême importance. Madame Adélaïde convie le marquis de Ranreuil demain matin durant la chasse. Cela est impossible. L'affaire dont je m'occupe ne souffre pas de délai. Vous n'avez pas le choix. Le roi a une inclinaison toute particulière pour sa fille aînée. Cela donne à Madame Adélaïde un poids qu'il ne faut pas négliger. À la cour, futilité vaut vertu. Il me faut passer la nuit à Paris. Je vous laisse mes appartements. Je vous laisse mon garde du corps, Gaspard. Je vous laisse ma tenue de chasse pour demain. Pour le reste, Gaspard saura vous contenter en toute chose, comme il me contente. Au revoir, Nicolas. Et que puis-je pour vous, monseigneur ? Bornez-vous à faire sceller mon cheval. Le reste me concerne. Pendu à mes basques. Je ne prends aux basques de personne, monsieur. Excepté à celle de la favorite, hein, je sais. Je sais tout de vous, monsieur. Mais à présent, les choses ont changé. J'ai sur moi de quoi vous envoyer à la Bastille sans délai. Que voulez-vous savoir ? On vous connaît, joueur impénitent. Vous fréquentez au Dauphin couronné chez la Paulet. La Paulet ? Pourquoi me parlez-vous de la Paulet ? Je ne suis pas joueur pour mon compte. Et la coquin, je me répugne tout autant qu'à vous. Vous fréquentez avec le vidame de Ruissec. Je ne fréquente pas avec le vidame de Ruissec. Pour le coup, lui est joueur et fort malchanceux. Il m'arrive tout au plus parfois de le dépanner. Mais je ne peux rien vous dire d'autre, je vous affirme que je suis tenu. Tenu ? Mais par qui êtes-vous tenu ? Je ne peux rien vous dire. Sinon, vous suppliez de croire que j'ai agi sur ordre. Ne parlez pas de moi, madame Adélaïde, ou je suis un homme mort. Mon service m'appelle auprès du roi. Puis-je ? Vous pouvez, mais je veux vous entendre séance tenante aussitôt après. Votre Majesté, le marquis de Ranreuil. Oh,
Ah, monsieur le marquis de Ranreuil, je vous vois enfin des nôtres. Je gage que seule quelque impérieuse raison vous a mené ici et que mademoiselle n'y est pas étrangère. Vous aurez à me rendre compte de cette raison à l'occasion. Votre père, monsieur de Ranreuil, vous lui ressemblez fort. On vous dit sagace et discret, tout comme il l'était. Je suis l'humble serviteur de votre Altesse. J'ai des tracas dans mon intérieur, monsieur de Ranreuil. Mes pauvres Ruissec, le malheur les a durement frappés. Mais j'ai d'autres soucis aussi. Il y a peu, des vols bien déplaisants ont eu lieu dans mes cassettes. Je n'y aurais pas prêté attention si le fait ne m'avait été signalé. Des bijoux, madame ? Des bijoux, en effet. Des bijoux de ce genre, par exemple, madame ? Je ne saurais en jurer, mais de ce genre, en effet. Je dois la garder par devers moi pour les nécessités de l'enquête. Une seule question, madame. Cette bague vous a-t-elle été dérobée ? Oui, monsieur. Qui donc a attiré votre attention sur ces rapines ? Madame de Pompadour s'est étonnée récemment de ce que je ne portasse pas certaines pièces. Madame de Pompadour ? Vous n'ignorez pas qu'il y a entre elle et moi certaines jalousies bien féminines. Quant à la parure, c'est souvent motif à dispute avec le roi. Je dois en convenir des disputes bien partagées qui s'alimentent mutuellement. Vous enquêterez, n'est-ce pas ? Et me rendrez compte personnellement. Madame, connaissez-vous un gentilhomme du nom de Truche de la Chaux ? Je crois, monsieur, que le daim est lancé au chien. Il faut y aller. Bonne chasse. Du charbon de bois. La coiffe est un peu défraîchie, mais la coque en fer dont j'avais jugé bon la faire doubler vous aura épargné la mort. Mon habit. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a rien volé. Tout est sur le chevet, là. Vous survivrez, mon bon jeune homme, mais il va falloir prendre votre mal en patience quelques jours. C'est que je n'ai pas quelques jours. Qui m'a sauvé ? C'est toi. Mais comment as-tu pu, Beaumerle ? C'est que je commande une armée invisible, qui est partout, et va comme le vent. Approche. Tu
Je suis à présent doublement votre obligé, monsieur. En quoi puis-je ? Vous ne pouvez en rien, monsieur. Du moins, quant à présent. Aidez-moi à me lever. Il nous faut poursuivre sans désempas. Auriez-vous dans votre bibliothèque quelque ouvrage qui traite de la science des blasons ? J'ai cela, Nicolas. Mais j'ai aussi une mémoire exacte de leurs termes. Pouvez-vous me donner une description ? Si je ne m'abuse, d'azur à la face d'argent, chargé de 3 ou 4 étoiles de gueule. Il se pourrait qu'une partie du bas fût en caire ou dans un grand état de délabrement. Le blason était-il couronné ? En effet, à 5 fleurons en feuilles d'ache, je crois. Où avez-vous trouvé cela ? Au flanc d'un vieux carrosse crotté qui se trouvait chez Mademoiselle de la Sauveté, pourquoi ? Parce que vous me décrivez là les armes d'une des plus vieilles familles de Languedoc. Les armes des Langremont. Tony ? Ou bien il a disparu corps et bien, ou bien il n'est point sorti. Nos hommes guettent sans relâche depuis hier et ne l'ont aperçu aucun instant. Attendez-moi ici. Monsieur le comte, le commissaire Lefloc. Inutile, Picard. Je l'ai vu arriver, lui et ses sicaires. Voulez-vous, monsieur, assister à la chute de la maison de Ruissec ? Elle est déjà presque consommée. La partie n'est pas loin de s'achever, en effet. Il ne vous reste plus guère de pièces, seulement le vidame et vous. J'étais disposé à un échange. Vous vous méprenez, monsieur le marquis, je n'échange pas. Jamais. Ni une pièce, ni une position, ni même un avantage. La vérité sur les conditions et les raisons de la mort du jeune vicomte Lionel de Ruissec contre. Contre quoi, monsieur ? Contre la liberté du vidame Gilles de Ruissec. J'ai autorité de faire embastiller à l'instant même toute personne qui s'opposerait au cours de mon enquête. Ainsi, monsieur de Saint-Florentin m'aura abandonné. Cela semble, monsieur. C'est qu'à présent, on parle de conjuration contre le roi. Ne dites rien, monsieur. Je vous en conjure. Peu importe que monsieur de Saint-Florentin se déshonore. Rien ne vous contraint cependant à le suivre sur cette pente. Serait-ce donc, monsieur le vidame, qu'il se trouvait encore scellé en vous quelque éclat de l'antique virilité des Ruissec ? Peu importe. Gardez le silence, monsieur. Rien de ce qui n'est pas dit ne peut non plus se prouver. Qu'importe la gravité de la faute ancienne, votre silence est le seul rempart qui puisse vous garantir contre le déshonneur. Le déshonneur ? Remplissez votre office, monsieur. Ni mon père, ni moi-même, n'y mettons en position. Une machination, selon le vidame de Ruissec. Une terrible machination. Pour ourdir une machination, il faut des raisons. Je crains fort, mon ami, de ne pas vous avoir tout dit. Jean de Langremont. S'il avait vécu, il eût sans doute été un de nos plus brillants maréchaux, très porté sur les dames, jusqu'à ce qu'il ait fini par rencontrer la sienne, Aude de Langremont. Une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Jusqu'au pied de la potence, il n'a cessé de lui écrire ni de clamer son innocence. Et elle ? Aude de Langremont ne survécut ni au chagrin ni au déshonneur. Elle mourut peu après dans son château du Languedoc. La lignée est-elle éteinte ? Le registre du diocèse de Saint-Nicaise de Langremont
fait état du baptême le même jour, il y a de cela 22 ans, de deux enfants nés à une heure d'intervalle, Yves et Marie de Langremont. Marie de Langremont. Monsieur Le Floc, l'inspecteur Bourdeau, vous êtes en la Bastille. Il a une communication à vous faire de toute urgence. L'homme n'était pas si tôt incarcéré. Une femme se présente et demande à remettre vin et victuailles au vidame de Ruissec. Et cela n'a pas attisé votre curiosité? Bah non point. Vous aviez donné des instructions pour qu'il puisse recevoir des repas de l'extérieur. Alors, aussitôt, il s'attable d'un air d'ennui. Goûte au plat, chipote un peu, prend une grande lampée de vin et tombe en convulsion. L'instant d'après, le vidame est mort. Une femme? Oui. Sèche à la figure peinte. Une femme avec des lunettes bleues? Mort. Et pour ainsi dire, de votre main. Abandonnez ce futile dessein, je crains fort que vous ne soyez plus de taille, si vous l'avez jamais été. Je sais qui vous êtes, monsieur l'exempt. La chose de la Pompadour. Vous complotez contre moi avec la putain du roi. Vous tâchez de circonvenir madame Adélaïde. Une question, monsieur, qui vous en fera rabattre. Avez-vous quelque idée de l'identité d'Armande de la Sauveté? Armande de la Sauveté? Comment se peut-il que vous ayez pu consentir au projet d'une telle mésalliance? L'argent, sans doute. L'ignorance et la vanité, peut-être. Car le vicomte devait bien épouser prochainement Armande de la Sauveté, n'est-ce pas? Mariage d'argent, n'est-ce pas? Puisque le cœur du jeune homme inclinait plutôt pour une comédienne des Italiens. L'endroit et le moment ne sont pas les plus indiqués, monsieur, pour ce genre d'entretien. La comédienne a vendu projet et donne son congé au Godelureau. Le Godelureau en conçoit un chagrin sans borne, ignorant qu'il est de ce que les deux amoureuses n'en sont qu'une. Que sous-entendez-vous, monsieur? Qu'on vous a trompé. La Bichelière et Armande de la Sauveté sont la même. La même? Mais alors? Le catin. De ne pas le perdre. Aussi bien nous savons où il va. Thank you.
Et combien sommes-nous dans la conspiration? Peu de monde. Vous, moi, et quelques autres. Et pourquoi? Vous? Moi. Oui, moi, le valet Lambert. Installé chez vous. Épillon, jour après jour. Chaque jour plus humble, plus présent et plus invisible que l'ombre même du vicomte, votre fils. C'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas? Il le fallait bien. Il avait vendu la mèche à la comtesse. Bientôt, il l'aurait vendue à tout le monde. Votre fils avait le goût de la tragédie et l'appétit de la trahison. C'est pourquoi sa punition exemplaire a été celle des traîtres. Qu'attendez-vous pour en finir? L'agonie du vicomte a été lente et cruelle. J'entends que la vôtre le soit aussi. Qui êtes-vous, Lambert? Qui êtes-vous? Un démon surgit du fond de ta mémoire. Le fils de Jean de Langremont. Tu ne me reconnais pas? Tu le devrais pourtant. Langremont, il suffit! Donnez Langremont. Il aurait fini par m'avoir. Cependant, je regrette. Je regrette. Je regrette de mourir dans les bras de Larousse. Relevez-vous, monsieur. Je ne goûte que médiocrement les hommes à mes genoux, si ce n'est pour la bonne cause. Décidément, monsieur, vous êtes un homme plein de ressources. Je pensais vous en avoir déjà convaincu, il y a peu, dans votre boudoir de la rue de Richelieu. N'aurait-on pas trouvé mieux à faire que de nous homicider mutuellement? Certes. Vous pourriez vous rendre? Me rendre? Ne trouvez-vous pas que je me suis déjà assez rendue? Cependant, la perspective d'une fin atroce au bout de la corde, dans un quelconque lazaret, ou un sinistre in pace. Je crains fort pourtant que vous n'ayez guère le choix. Ainsi, le comte de Ruissec est passé. Oui. Il y a peu et un soldat. Un soldat? Le
comte de Ruissec a mis bien plus de sincérité, de calme et de tenue à mourir qu'il n'en avait mis à vivre. Vous avez raison, monsieur le commissaire. Ces plans du château, bien que plus précis et plus détaillés, ces brouillons, ce libelle même annonçant la mort prochaine du tyran Louis XV. Beaucoup de mots, n'est-ce pas? De dessins, d'intentions. Beaucoup de preuves à charge, mais quid du plus petit commencement d'exécution? Aucune des mouches qui peuplent la cour comme la ville n'en rapporte le moindre. Quid des exécutants, quid des conjurés, tout est tracé d'une même main qui semble être une main de femme. Le ton lui-même est unanime. Cela semble fort, en effet, à un rideau de fumée qu'on aurait tendu pour abuser le malheureux vicomte et son père. Mais nul non plus n'avait pressenti la tentative d'attentat de Damien à l'encontre de Sa Majesté. Certes, certes. Vous avez raison, Sartine, restons vigilants. En tout cas, cela doit rester sous le voile du secret d'État. Le roi doit être protégé, à tout prix. Aussi contre lui-même. L'affaire est close. Monsieur le commissaire, vous aurez seulement à cœur de trouver une explication plausible à la disparition du comte de Ruissec. Même si cette explication n'entretient que de très lointains rapports avec la réalité. Vous êtes irrité. Et le fait que l'expérience de l'air raréfie où se meut la haute politique, Nicolas, je vais vous montrer, puis il en sera ainsi. Quelques jours, qui sait, la justice sera la même pour tous, grand ou petit, quoique secrètement j'en doute. Yves de Langremont est mort cette nuit dans sa cellule. J'ai permis que sa sœur assista à ses derniers instants. Vos scrupules vous honorent, monsieur le commissaire. Cependant, je vous sens comme troublé. La demoiselle est là. Je souhaiterais la faire paraître à l'appui de mon rapport. Mademoiselle la Duchesse Marie de Langremont, alias Mademoiselle de la Sauveté, alias la Bichelière. Curieuse déclinaison, mademoiselle, qui va du plus aimable à ce qu'il est beaucoup moins. Une double machination ourdie par vengeance contre le comte de Ruissec. La sœur et le frère unis dans le crime, l'une traçant les plans et l'autre les mettant en œuvre. Yves de Langremont, sous les traits de Lambert, trouve le moyen d'entrer au service du jeune vicomte de Ruissec. Le dessein est de compromettre les Ruissec dans une affaire de conspiration contre le roi, dont elle était, au fait, l'unique instigatrice. Dans le même temps, sourdit le mariage du jeune vicomte, perpétuellement à court d'argent, avec une certaine demoiselle de la Sauveté, Armande de la Sauveté, qui n'est autre que Marie de Langremont. Un bel exemple de duplicité. Duplicité. Triplicité paraît mieux convenir. Comment cela se peut-il, monsieur le commissaire? Vous oubliez la Bichelière dans le tableau. J'en arrivais à elle. La fin était que l'alliance consommée, la cour découvrit que le jeune vicomte avait épousé une comédienne des Italiens, femme légère de son état. Il suffisait ensuite qu'une indiscrétion calculée fît éclater l'affaire de la conjuration au grand jour, et c'en était fait de la famille de Ruissec. Bravo, mademoiselle. Le comte était ainsi tenu entre deux feux, il suffisait donc d'attendre. Dans ce cas, pourquoi avoir homicidé le vicomte Lionel de Ruissec? Sans doute, le crime est-il dû à l'une de vos rares erreurs, mademoiselle. Un instant d'emportement, en somme. Vous teniez le malheureux dans votre main. Tout le monde décrit le vicomte comme un être sensitif et exalté. Par jeu, vous avez voulu l'humilier. Vous lui avez donc signifié votre congé. Ce nigaud ne cessait de se jeter à mes genoux. Monsieur le commissaire, vous devriez vous rappeler que certaines femmes demandent à être montées plus crûment. Et conduit par son amour, le jeune vicomte s'est allé confier à sa mère. Il lui a tout confié. Ainsi que son intention d'aller se jeter aux pieds du roi, afin de tout révéler de l'affaire de la conspiration. Il devenait alors urgent qu'il mourût. Et il est mort. Je dois le confier dans de terribles tourments.
Pourquoi avoir ramené ensuite le corps à l'hôtel de Ruissec ? Pour que le comte de Ruissec puisse voir de ses propres yeux l'horreur de ce trépas. Étrange, mademoiselle, que vous ayez pris un parti si extrême lorsqu'on songe à la hauteur de votre naissance. Lorsque mon père a été branché, ma mère, la duchesse Haute de Langremont, n'a pas tardé à le rejoindre par le même moyen. Je l'ai retrouvé pendu à un des arbres du parc. Les corbeaux avaient eu le temps de lui picorer les yeux, qu'elle avait magnifiques. On a pu éviter le scandale, mais pas la ruine. Pour survivre, mon frère a dû louer son épée. Mais moi, il m'a fallu louer mon corps. Avez-vous, monsieur, quelque idée de ce que peut signifier louer son corps ? Non, mademoiselle, je n'en ai aucune idée. Mes fonctions de magistrat m'interdisent d'approuver toute forme de vengeance privée. Ma qualité d'être humain éclairé, libre et de bonnes mœurs m'incline à la comprendre. Allons, Nicolas. Qu'attendez-vous pour vous précipiter reconduire la donzelle ? Vous en mourrez d'envie. Et quant à moi, eh bien, il me reste mes perruques. Vous le haïssiez donc tellement ? Oui. Vous avez payé votre vengeance du prix de votre vertu, vous allez la payer maintenant de celui de votre jeunesse et de votre beauté. Vous êtes condamné à être tenu à vie dans un obscur lazaret du fond du Périgord. Peu importe. Je n'avais pas le choix. Il avait fait rafraîchir. Merci d'avoir permis que mon dernier voyage eût lieu dans le reste d'un semblant de gloire. Vous devez à toute force vous assurer de la personne de Mademoiselle Armande de la Sauveté. Cependant, si d'aventure quelques Romanichels en cheveux faisaient irruption pieds nus de la voiture pour en prendre la fuite, vous auriez expressément pour tâche de ne pas la poursuivre. Je sais quelle fin hideuse va être la mienne. J'ai usé du peu de crédit qu'il me reste pour vous supplier de venir. Au fait, monsieur, au fait, je vous prie. Je voudrais que vous fassiez passer un billet à la Pompadour. Je vous sais homme de parole. Oui, monsieur. Mais qu'aurais-je à y gagner si d'aventure je me prêtais à votre jeu ? Je peux vous indiquer l'endroit où se trouvent les bijoux volés à madame Adélaïde. Vous avez ma parole. Du papier. Du papier. Une mine de plomb et un peu de l'éclat de votre lumignon et vous saurez ce que vous souhaitez connaître. Thank you.
Madame, je vous en conjure. Sauvez-moi. Pour compromettre les Ruissec et le parti des dévots, vous m'avez demandé de dérober les bijoux de Madame Adélaïde. Ce forfait, je l'ai commis. D'un mot, aujourd'hui, vous pouvez me sauver d'une mort lente et cruelle, votre serviteur, Truche de Lachaud. Je ne doute pas que vous ayez lu. Vous n'avez pas à douter, madame. Et qu'en pensez-vous, monsieur le commissaire ? J'en pense que tout homme sensé supplierait qu'on lui épargnât la question et la mort lente et douloureuse qui attend Truche de Lachaud entre les mains du bourreau. Prenez, mon sort est entre vos mains. Cependant, je dois vous dire que les forfaits que j'ai commis, c'est par amour du roi. Je l'aime, tout comme vous-même l'aimez. Et lorsqu'on aime de tout son cœur, de toute son âme, alors monsieur, qu'importe les moyens. Monsieur le commissaire, ma gratitude vous est déjà acquise. Je suppose qu'il n'est guère de règle de vous demander l'endroit où vous les avez découverts. Je crains que l'histoire ne soit complexe et ses péripéties de peu d'intérêt. Vous êtes trop modeste, monsieur le marquis. Je crois au contraire les ressorts de cette intrigue dignes de l'antique et ses péripéties des plus divertissantes. Vous aurez d'ailleurs à me les compter par le menu, monsieur le marquis, à l'une de nos prochaines chasses. Je sais que vous êtes un homme sur qui l'on peut compter en toute occasion, et sans la moindre réserve. Vous venez d'ailleurs de donner la preuve de votre efficacité et de votre discrétion dans les très périlleuses et délicates missions qui viennent de vous être confiées. Gardez-vous bien, monsieur Dranreuil. Sa Majesté n'est dupe de rien. Jamais. Peste. Vous voilà lancé. Reste maintenant à demeurer en selle